81% de Togolais préfèrent une opposition politique face au pouvoir, que ce soit l'ANC de Jean-Pierre Fabre, la DMK instituée par Monségreur Fano Kouakpotzro, le CAR ou l'UFC ou encore le NET. L'opposition politique n'aspire pas encore confiance aux Togolais. Mais les Togolais sont persuadés de l'importance de la présence de ces partis d'opposition pour la vitalité démocratique. 81% d'entre eux l'ont fait comprendre selon la dernière enquête Afrobaromètre. C'est en substance ce que révèlent les résultats de la dernière enquête Afrobaromètre. Selon les résultats de l'étude publiée en mai 2022, les Togolais sont persuadés de l'importance de la présence des partis politiques de l'opposition, mais ont peu confiance en eux. Le document détaille que la majorité des Togolais pensent que la présence de l'opposition est une bonne chose pour la démocratie au Togo, mais il n'apporte pas grand-chose au quotidien du peuple. 6% sont d'accord que l'opposition politique présente une vision halte. Les deux tiers, 66% des Togolais, estiment que les partis de l'opposition améliorent la démocratie dans le pays en demandant des comptes aux partis au pouvoir. 8 Togolais sur 10 et 81% pensent qu'il est préférable pour le pays d'avoir des partis politiques de l'opposition, même s'ils sont faibles, que ne pas en avoir du tout. Cependant, 69% des Togolais ne font « pas du tout » ou font « juste un peu » confiance aux partis politiques de l'opposition. Cette proportion a varié entre 63% et 76% depuis 2012. Air native et un plan pour le pays. L'opposition politique en difficulté d'après l'enquête. Le manque de confiance en les partis de l'opposition est le plus prononcé dans les régions maritimes 77% et des savanes 73% et est moins poussé dans la région de la Kara 5% 2. Figure 3. Les jeunes 61% et les citoyens qui ont fait des études post-secondaires 61% sont les moins enclins à exprimer cette méfiance envers les partis d'opposition. En effet, ces dernières années au Togo ont été marquées par plusieurs échecs successifs de l'opposition politique, y compris la division du principal parti de l'opposition, UFC, en 2010 et le boycott des élections législatives de 2018. Ces résultats d'Afrobaromètre viennent confirmer que l'opposition politique a du pain sur la planche pour gagner la confiance du peuple togolais. Afrobaromètre est un réseau panafricain et non partisan de recherche par sondage qui produit des données fiables sur les expériences et appréciations des Africains relatives à la démocratie, à la gouvernance et à la qualité de vie. 8 rounds d'enquête ont été réalisés.